tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une présentation de notre nouveau magasin. À l'entrée, ici, il y a les Massue Pastorelli pour les pré-juniors et juniors. Ici, ce sont les seniors, les housses pour les Massue et les Massue Amaya. Ici, il y a quelques genouillères Vincobra. Ensuite, ici, c'est tout le coin avec tout ce qui est boule de bain, bougie. Ici, il y a les calendriers de l'Avent avec quelques petits échantillons de savon et de bombes de bain. Quelques bougies. Là, c'est les cadeaux. Et dans les cadeaux, il y a des bombes de bain, des savons, des chantilly. Ici, c'est les bombes de bain. Et ici, nous avons une déco de Noël. Après, ici, il y a tous les blocs et un testeur d'équilibre. Ici, il y a des poids et les juniors Pastorelli avec les housses de cerceau qui sont dans les emballages, les cerceaux qui sont juste derrière. Là, ici, il y a tous les tapes pour mettre soit autour des massues ou soit autour des cerceaux. Il y en a des petits, des grands, des pailletés, pas pailletés, mates, etc. La colle pour coller les tuniques. Et ici, on a tout ce qui est pour les rubans, du coup, les petits filets, les petits fils pour accrocher le ruban à la baguette. Là, c'est la même chose, mais en métal. Les bouts de baguette. Et en haut, on a encore des massues Amaya avec les petits sacs. Et tout en haut, il y a les sacs Pastorelli. Après, ici, on a les rubans Pastorelli. Deux couleurs, trois couleurs. Ici, on a tout ce qui est une couleur. Les baguettes Pastorelli pailletées, deux couleurs, une couleur. Là, on a les baguettes, mais en mode miroir. Et les rouleurs de ruban. Ici, on a les baguettes Amaya. Il y a les cordes avec une couleur et les paillettes, la multicolore. Les sacs à cordes Pastorelli. Les cordes juste simples, une couleur, et les cordes avec plusieurs couleurs. Voilà, après ici, c'est tous les vêtements. Du coup, en résumé, on a t-shirt, brassière, leggings 3/4, on a les sous-tuniques, on a les jambières et les chauves-d'eau. Alors, et une couleur, en juste une couleur. Normalement, on a juste noir, mais ils sont déjà tous partis. Et ici, on a encore quelques bombes de bain. J'ai un truc de gros. On a les bombes à lèvres. Boum. On a les baumes à lèvres. On a cookies, donuts, ananas et bubblegum. En dessous, ici à la caisse, il y a les petits carnets. Là, il y en a un qui s'ouvre comme ça. Quadrillé avec des petits gymnastes. Là, on en a un comme ça. Qui s'ouvre comme ça, tout blanc. Pour faire des dessins ou des signatures de grands gymnastes. Et là, on en a un tout grand pour mettre son prénom et quadrillé. Pour écrire et coller des photos quand on va en cours. Là, on a le mannequin avec la tenue comme présentoire. Et ici, on a tous les ballons. On a décidé de faire un mur de ballons parce qu'on trouvait ça assez beau. Là, il y en a déjà quelques-uns qui sont partis, mais c'est quand même beau. Ici, on a une tour avec plein de choses. Là, d'abord, c'est tout ce qui est pour les chignons. On a les filets, les élastiques. Là, on a les donuts. Ensuite, on a les porte-clés. En dessous, on a les pinces pour mettre dans le chignon, les pompes à ballon, Pastorelli, les élastiques seniors à numéro et les élastiques et les juniors à numéro. On a aussi ça pour mettre sur les chignons, les sacs à ballon pour pas que le ballon s'abîme dans notre sac ou pour pas qu'il roule partout par terre, les élastiques souples jaunes. Et les petits sacs pour mettre les chaussons. On a plein de couleurs, rouge, gris, bleu, jaune, blanc, vert,
clair, noir. Et en bas, on a tous les chaussons. Là, c'est les Dvelena normaux, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, on a les Dvelena en chaussettes. Donc, on a rose pour les entraînements et jaune. Et ici, on a juste les beiges pour les compétitions. Après, il y a les Pastorelli normaux aussi. Comme ça, avec l'écriture vert pailleté. Et là, on a les Pastorelli chaussettes. Et encore des Pastorelli chaussettes et des Pastorelli normaux. Voilà, ici on a tout ce qui est classique pour les filles qui font du classique. Et on a des tuniques. On a des tuniques noires, mauve, bleues, avec des voiles comme ça, en dentelle. On a, je sais pas comment ça s'appelle. Cache-cœur. Des cache-cœur. Des jambières. Comme ça en laine, des blanches et des roses. Il y a aussi des noires. Il y en a aussi des noires, mais elles sont en bas. Et après, des tuniques pour les plus petits. Rose, bleu, comme ça. Après, on a les chaussons classiques, qui sont tout entiers comme ça. On a les collants, rose et des noirs pour les garçons. Et là, on a les jambières noires, comme ça, des blanches, des roses. Et là, on a les chaussons, voilà. Ensuite, ici, on a les tuniques de Gère, de deuxième main, que les filles du club ont déjà utilisées et on les revend. On a celle-ci, comme ça. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en a des chers, ça va entre 250 et 15 euros, je pense, plus ou moins. Et on a les petits sacs pour ranger les tuniques, pour pas que les pierres tombent ou qu'elles s'abîment. Noir, rose foncé et rose clair. Et ensuite là, c'est l'endroit où ma maman fait ses shootings photos de Noël. Et là, c'est la vitrine et on montre en exemple une tunique d'occasion de GR, une tunique de classique avec un cache-cœur, encore une tunique. Et ici, c'est entre les cadeaux, les bons de bain, les bougies, les serviettes. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans un des cadeaux. Je ne peux pas tous les ouvrir, du coup, je vais vous en montrer un comme exemple. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a le calendrier de l'avant que j'ai tout le temps d'ouvrir, mais pas encore parce que c'est pas encore Noël et mes parents n'ont pas envie de vous. Et du coup voilà, c'est parti, je vais vous ouvrir le petit cadeau qui est sur le thème de Londres. On enlève le petit nœud et on va pas se spoiler, on va pas regarder ce qu'il y a sur la petite image. Oh, c'est une boîte rose. Du coup voilà, quand on ouvre, ça se présente comme ça, avec de la paille. Du coup, faut un peu fouiner pour trouver. Là, il y a une première boule de bain avec un petit cœur. Il y a une deuxième boule de bain un peu comme un cupcake avec une petite cerise comme ça et un coulis. Ça sent ultra bon. Ça sent un peu la fraise, le gâteau à la fraise. Ensuite, il y a ceci, je sais pas trop ce que c'est. C'est quoi? C'est un bain mousse. Un fondant pour le bain, ils disaient, mais je sais pas ce que c'est. Avec une petite fraise comme ça. Un petit gâteau à la fraise. Il y en a un deuxième avec, je sais pas trop c'est quoi. Montre, mais c'est derrière. Tu penses? Mais oui. C'est la boîte sur le thème de Londres, hein, donc à Londres ils boivent du thé. Ok, c'est une idée. Du coup, on a deux bombes de bain, deux chantilly pour le bain. Et la dernière chose, c'est un savon. Oh, trop stylé!
C'est un savon avec une fraise comme ça, et du coup la couleur de la fraise elle est dégradée, et la couleur de la feuille elle est aussi dégradée avec des petits, une petite crème de fraise. Tiens, je te prends un petit peu, pas. Je vais te montrer. Du coup maintenant je vais vous montrer tout ce qu'il y avait au total. On a tout bien positionné. Du coup il y avait le savon, une bombe de bain bleu, une bombe de bain rose, une petite chantilly et une deuxième petite chantilly. Du coup en notre thème il y a le thème un peu pastèque, il y a le thème pingouin Noël avec des flocons, sapin, pingouin. Et il y a le thème Père Noël. Avec Père Noël, les petits bonhommes de neige et un cerf, un renne. Voilà, la visite du magasin est terminée. Si vous voulez venir acheter quelque chose mais que vous habitez trop loin ou que vous n'avez pas le temps, vous pouvez aller sur le site internet qui est lova-rgym.com. Vous pouvez commander tout ce que vous voulez dessus et avec mon code promo MelindaRGym tout accroché, vous gagnez moins 10%. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, explosez le compteur des pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Suivez-moi sur les réseaux. Mon Instagram apparaît ici et mon TikTok ici. Je poste souvent des stories ou des nouvelles photos quand je vais en compétition ou avec mes amis. Et si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous. Bisous !